Kolotika na yembela yo, kolotika na netola yo, kolotika na kumisa yo. Amen. Maloba motu ye matina motema, unalingi na yebisa yo, kolotika na netola yo. Amen. Yo na komba libota na bikite. Komba noko na bikite. Na biki na kombo na Yesu. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, to pesu yo merci. Pour na tango malamo yo pesi biso. To pesu yo merci. Pour na faveur o yo pesi biso na poko alelo. Tous à la compter parmi ba vivants. L'Éternel des armées, Otikali Nzambe Malamu, Oyazo Batela, Azo Sécurisé, Azo Protégé Biso du jour au jour. Oh Seigneur, merci. Nayeko Pambola Motonio Sakolanda Biso na Poko Alelo, Oyebi Posa Moko na Moko, Kokisa Yango, Kimia na Yo Ezala Partage na Biso, Cher Saint-Esprit, tous en a besoin na Yo. Zala manifeste au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Zambe, apambola biso nyonso esika tozwami. Et nazon dima ke moto nyonso aza malamu. Parce que bolingo na Nzambe eza wana mikolo nyonso. Pona koyeba kosala biso toujours ba bien. Et toye ko présenter ba excuse na biso pour na rendez-vous il y a la fois passée et ba image ezala ki vraiment malamu te et boko excuse biso mingi tozo ko luka toujours ko améliorer pour que ba image ezala toujours impeccable. Voilà na poko alelo tolingi tolobela na tina likambo moko kaka ya muke. Natina ya momo ya muke, c'est vrai que eza muke, mais eza important, eza essentiel, vraiment très important, to yeba kolobela yango. Parce que le contraire ya mo oyo, ezo sala ke eme mabiso na chute. Le contraire ya mo oyo, ezo sala ke mabota. Ba relation, ba église, ba société, ezala brisé. Et sans plus tarder, tozo ke neko fongola ba Bible na biso, na Luc, tozo ke fongola ba Bible na biso na Luc, Luc 18, verset 9, toko kitati na se, Toyoka oyo Bible zo ibisa biso. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Na lobito zo ke ko fongo la Bible na Luc. Luc 18. Luc 18. Ok. Verset 9, Tobandi, la Bible dit ceci. Il y dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuada qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Deux hommes montrèrent au temple pour prier. L'un était pharisien. Et l'autre républicain. Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je suis. Je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme. De tout mes revenus. Alléluia, soto kitina sekuna, tokomona
Jésus-Christ n'est pas solo parce que batika bana mike baya epainaye parce que bokondi ali kolo est assemblable na bana mike batu bakokota ngo ba il faut baza la semblable na bana. OK, ici na verset o na Luc 18 verset 9 ko kitana se Bible zo lak sabiso de type ya batu déjà d'homme ya liboso azala ki publicain et étant que publicain pardon el boso azala ki pharisien et a poussani liboso na nzambe pona ko prier ko poussani liboso na nzambe pona ko prier a ke ko lak sa nzambe ba capacité nyoso ya zanango abandi ko talisa ndenge batu mususu baza ben juste ndenge batu mususu bazo commettre ba dilte comment batu mususu bazo tambola d'une manière oyezo sepelisa nzambe te do ya bandi ko se justifier na ye moko abandi ko lak nzambe koma il est bon abandi ko lak nzambe ndenge nini aza capable ya priyaka ajenaka apesa kabadim na ye azalo kola e publike wana mususu te do azola ki sanzambe ce qu'il est il se lève e pa ina nzambe na lo lendo nyoso lelo na lingito lobela na tina teme moko kaka ya mukie et teme tozo ko aborder lelo nous allons parler sur l'humilité. L'humilité, c'est quoi? Définition de l'humilité, c'est un état d'esprit. L'humilité, c'est une attitude de quelqu'un qui est humble. Et ça, attitude de Yamoto Oyo, aza ko do aza ko mi kiti ça, même devant ma propre mérite na ye. Donc, humilité, mutu mususu ko mone boye, otali ba voir o ya zanango. Otali lo lenge nzambe atombola ye. Rang social o ya zanango. Mais ce ko tali ye, attitude na ye, otali bozu ya zanango, olobi, oh, cet homme est tellement humble. Donc, mutazo ko akondimatike, nyoso eza ya ye. Mais malgré nos soins à Nango, à ça toujours na kati attitude moko ya komi kiti ça. Pona ko laksa ke nyoso wana liboso na nzambe eza pamba. Et Bible zo laksa biso na Luc 18 verset 9. Ezo tali sa biso déjà d'homme. Bible lobi ke muto liboso azala ki pharisien. Pharisien o ya poussa liboso na nzambe. Na ba capacité ni nyoso no orgueil na ye azo lak sanzambe comment il est capable de prier comment il est capable de jeûner comment il est capable de donner sa dîme do même na langage na ye même li boso na nzambe a poussa ni no orgueil na ye nyoso pona ko yeba ko talisa ke yenda za plus que publicain par rapport ya façon ya ko poussa li boso na nzambe. Oh, nzambazo senga, to pousa na liboso na ye, na lo lenge moko, yako mikiti sa. Avec un cœur plein d'humilité, un cœur brisé. Mais moto yo, a pousa liboso na nzambe na arrogance. Ala ki sa nzambe ke yako ka, o la Bible me di, c'est Dieu qui sonde le cœur et les reins. Peut-être que tu as dit que tu apparence na biso. Pour te dire que tu as pas une nzambe. Mais c'est Dieu qui nous connaît mieux. Dieu connaît nos attitudes. Dieu connaît nos actes. Ce n'est pas à nous de publier ces actes. Ce n'est pas à nous de publier. Le lenge tozo sa ila nzambe, ou bien le lenge tozo ko s'approcher pa ina nzambe. Mais c'est à Dieu.
yakoyeba ko comprendre que oyo azamwana nanga azo salelanga na bosolo to oyo azo salelanga na kat na bosolo te bibelo pike farisé oyo pousana ki liboso ya nzambe na orgueil nyonso aye ko etale ba capacité na ye. Vous savez, il y a des chrétiens oyo même na langage na ye, tu peux sentir l'orgueil. Même kaka na soka fongoli kaka monoko, ozo senti arrogance na kat na ye. Do tan wazo lo bakaka zo bimisa odeur, il y a orgueil. Soka saleli yo bolamu. Bolamu wana fou ezala koni de tous. Même ba fourmi, ba mouche, ba kozala au courant ke moutou wana salela ki yo bolamu. Ezala batu. Soki a aide yo, mokili mouma fou yeba ke, ah, lelo soka komi bo ezanga, ah, soki nga iti en tout cas, no, alinga kako mate, eh. Ils ont même commencé parce que na lokota ina situation moko très compliquée. Na kota ina situation moko très compliquée. Quand nous avançons devant Dieu avec ce cœur rempli d'orgueil, rempli d'arrogance, rempli na makambo zo pesa nzambe ndoko muté to ko échoué. Parce que Dieu, c'est un Dieu rempli de compassion. C'est un Dieu rempli de miséricorde. C'est un Dieu qui ne se vante pas. Et quand nous avançons, liboso na nzambe na lolendo na biso, to ko avancer. Nous devons toujours avancer devant Dieu avec notre état de faiblesse. Total sanzambe que je suis faible, je suis incapable de moi-même na kokoka kobima na situation oyote. De moi-même, je suis incapable ya ko sala eloko yo. Seigneur, yundo zana makoki parce que c'est un Dieu de toute capacité. C'est un Dieu de toute possibilité. Nous devons toujours nous approcher devant le trône de la grâce avec un cœur plein d'humilité, un cœur rempli d'humilité, un cœur brisé, pas avec l'arrogance, pas avec l'orgueil. L'orgueil ne paye pas. L'orgueil ne bénit pas. Quand tu fais le bien à quelqu'un, causer la motote à zone selo bolamouana. Parce que la nature de l'homme, c'est une nature remplie d'ingratitude. Ce qui a causé la moto à zone selo bolamouzo sala, au cause la toujours blessé. Ou bien quand tu fais du bien à quelqu'un, tu es là pour publier ce que toi tu es en train de faire. Cela ne sera pas bénéfique pour toi. Car la main droite donne, la main gauche est yébattée. C'est ce que la Bible dit. Mais combien ton contact a toujours quand tu fais quelque chose, il faut mon kilimo mbe yéba, ou bien il faut mon toana zong selanga kaka ungana salilae. C'est de l'orgueil. Quand tu veux faire savoir à tout le monde que ngai ne motona sala moto. Ce qui est là comme Boinga, ce qui a sa place Boinga, oh, fait du bien à Katia Koukou, ça fait du bien. Ce qui est là, c'est que Beloge, que yo moko banda komi pesa la Beloge, que nga na sala Boinga na zongi sa boe. Et quand on te fait aussi du bien, peut-être, bon là, moi, ne pas na yo, et que kouko zala insignifiant. Mais na zo ebisa yo na poko alelo. Et loko yo moni pamba. Et loko yo moni insignifiant. O yebite, moto wana, po apesa yo e loko wana. Sacrifice ni na salaki.
Difficulté ni nakuta na kinango. Ba programme nini oyo ya ye a baby saki po asepeli sa mote manayo. Il faut savoir dire merci. Merci na motazo sala yo bolam. Il faut koye ba kope sa merci. Un homme orgueilleux a senga ka merci te. Ezaka ka kominibinze. A eloko ni nanga pesa kinga. Eloko ni nanga ya tinde la kinga. Ah, na sala ki nanga pe eloko ma longati. Ça c'est de l'orgueil. Nous devons toujours dire merci. Même na geste mouke moto a sali. Yo moni an mouke. Mais pas na ye. Eza geste moko très important. Nous devons toujours dire merci. Nous devons apprendre à reconnaître aussi les bienfaits des autres. Quand quelqu'un te fait du bien, reconnais ses bienfaits. Parce que vous l'avez dit, vous avez dit, vous avez dit combien à se battre pour que vous avez dit, vous avez dit. Reconnais les bienfaits des autres. Reconnais les capacités des autres. C'est alors que Dieu te bénira. Ce qui est en train de minimiser, ou de faire ça pour nous, ou de réussir. Parce que je n'ai jamais vu un cœur plein d'orgueil. Et ça l'a béni. Un cœur plein d'orgueil. Et il va réussir. Et ça n'a qu'à communiquer ça. Nenzambe, azo pambo la biso. La Bible dit ceci dans Jacques 4, 6. Il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Nous devons toujours être humbles devant Dieu, devant les hommes. Nous devons toujours nous effacer. Efface-toi, quelle que soit race sociale, oyoko zalango. Quel que soit niveau yokoko zalango, nous devons toujours nous diminuer devant l'Éternel pour que Nzambe atika la Nzambe ya solo. Lelo yo tozoye ba ko reconnaître te, toye ba ko sa la différence te. Nani aza parent, nani aza mwana. Même bana bazoye ba place na bango te. Baye bazoye ba ko tia ba parent na place na bango te. Pourquoi? Parce que Dieu t'a béni. Dieu t'a élevé. Et niveau yo zanango, ba bouti na yo batika na niveau moko ya se, o komati na niveau ya ko nye ba paran na yo. A cause de l'orgueil, les enfants ne respectent plus les parents. Bible lobi, parents, enfants, honore ton père et ta mère. Pour que o wumela na se na moi. Tant que vous avez honoré papa et maman, vous avez mis 4 la mikolo na sena moi. Vous avez respecté ba bouts. L'orgueil est tinda yo, vous avez manqué batu mususu. Vous avez minimisé batu mususu. Ce qui peut être le bien, c'est que vous avez le côté. Mais à cause de ce que vous avez manqué, vous avez mapeka. Les relations amicales se brisent à tout moment. Pourquoi? Pourquoi pas tous vendre sous ensemble, tu sais? Bah relations ezo kabwana. Bah amitié ezo beba. On est des amis. Mais on doit se respecter. Tous avons camarades. Mais nous devons mettre des bornes. Nous devons avoir des limites. Je suis ton ami, mais tu dois me respecter. Tu es mon ami, je dois te respecter. Et l'ingalo bate ke lokola na za ami na yo, tu es là seulement pour m'imposer tes décisions. Non. Na za ami na yo, mais to partage, to zaka obligé te ya ko partager même vision. Yo za na vision na yo. Le problème, c'est de yakoye bako se respecter. Respecter vision nga, nga pena respecter yo.
Mais ma conseil, mais ma aide na yo, et que vous allez bienvenue. Mais qu'on impose une volonté na yo te. Puisque peut-être, si le plan matériel osa supérieur kenga, et tu veux m'imposer ta volonté, tu veux imposer à l'autre ta décision. Non! Moutou na moutou, atika la place à za, on est des amis, mais moutou na moutou aza nan zela na ye. Lelo respect za te même na métier. Quand tu fais quelque chose, tu blesses l'autre. Ayez ce courage de demander pardon, de présenter tes excuses. Ça ne coûte rien. C'est ça l'humilité. C'est ça un homme humble. C'est ça une femme humble. Mais le pardon est comme un kilo na minoko même yaba chrétien. Chrétien, si on a saigné pardon, ceux qui ont saigné pardon, ils ont saigné l'anga, ils ont saigné tanga. Ils ont saigné pardon, ils ont simbaté. Ça, c'est l'attitude d'un homme orgueilleux, d'une femme orgueilleuse. Aujourd'hui, ma relation amoureuse, ils ont relaté pourquoi? C'est à cause de l'orgueil. Quand tu fais quelque chose, yo moko senti que non, ici je suis coupable. Aujourd'hui, moi si, Azana a une capacité, quand elle commet une erreur, yako senga mobal nae pardon. Moi ça zo ko senga mobal pardon, pourquoi? Parce que, donc, azo mi ki me la, azo tal la ba niveau ya zanango. Et donc, moi, ça se penche na beauté na ye. A tali beauté na bi, je suis la plus belle femme. Je suis belle. Je suis intelligente. Nazo sa na kata société moko, o yza très élevé na kouta na kanabata lo lenge na lo lenge. Nazana niveau ya likolo ko leka mobal nanga. Nazana droit ko senga e pardonte. Nasenye pardon po ya mata mapekanga na kita. Naningina ye bisawe loko moko. Vachi a perdu sa couronne. A cause de l'orgueil. Ebele ya basi basana balabala. Baso telengana. Ba priye boutou moye. Po na ko luka. Mi bali ba honoré bango. Mais Dieu t'a fait cette grâce. Tu as trouvé quelqu'un. Ou yo a honoré yo. Ou ya zo lenge la yo. Mais quand tu commets une erreur, reconnais tes fautes. Reconnais tes erreurs. Humilie-toi. Demande pardon. Ça ne coûte rien. Aujourd'hui, les hommes ne savent pas demander pardon. Ngana ke ko senge pardon, so na senge pardon, se ke ngana lati jupe. A ko zo pantalon na ngai. Qui te dit ça, papa? Lelo ma baleza a ko beba, pourquoi? A cause ya orgueil, ya arrogance. Na kata bolingo orgueil eza la kati. Papa, quand tu constates que tu as blessé ta femme, demande pardon, ça ne te coûte rien. Ngana ko senga moi si pardon te. Il y a des hommes qui ne savent pas considérer des femmes. Il y a des hommes qui minimisent leurs femmes. Oui, parce que moi, si le coup la biloko. Moi, si aza être moko faible. Moi, si aza aza sous-autre nanga. Na ko senga pardon te. Yo koka ko senga pardote. Depuis po balana, obimisa mo pardote. Soko blessé, o salinini, oko yaka ko bimi après 4 jours, o somi mo eloko yo tiki. Oui, moi si na comprena que c'est ta façon, ya ko senga pardon. Mais c'est de l'orgueil.
Demande seulement, tout simplement, pardon. J'ai mal fait, j'ai mal agi. Je t'ai blessé. Et ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Nous devons toujours nous humilier devant l'Éternel. Quand tu fais quelque chose devant l'homme que tu vois, tu dois t'humilier. Ça ne coûte rien. Et que l'on a eu qui m'obale na yote. Tout est que l'on a eu qui moi si na yote. Ce que c'est pardon. Écoutez, un homme orgueilleux, une femme orgueilleuse, a eu qu'à conseiller à mon douté. C'est un homme. Oyo, andi maka critique te. Oyo, andi maka ba reproche te. Yea sa koka. Ce qu'on salie reproche, il faut kaka ya na ba justification. Te, omone loko yo, na sala ki ango po na boui. De accepta ka jamais ma critique. Il n'accepte jamais ses erreurs. Ce qu'on t'a laissé erreur, c'est que mon ana visible. Il faut y a kaka na malouba. Il faut y a kaka na ba justification. Te, ce qui na zongi sa ki boui. Omone, il fallait ki na sala boui. Pwe bi ma boui. Oh, non! Ce n'est pas ce genre de cœur que l'Éternel est en train de chercher. L'Éternel cherche un cœur rempli d'humilité. Un homme orgueilleux asa toujours na langage moko ya orgueil, ya ko minimiser, ya ko kitisa. Bisika bazoku misa mutu ye motema ne ezo sepelate. Bisika bazoku elever mutu. Non, il fallait kaka bakumisa ndeye. Tango apresse mutu lobi, oh, tu es bien habillé. Okoyoka ye esikaza. Bila mako defate. Eh, mikolo vraiment je sentais bien. Ba santé wana ya kisite. Eh, mikolo zongenga ba beauté, beauté ya konuka. Do andi makate. Même ye moko soko zoku misaye. Alinka kako. Alex oke, oh yo solo bana kutu yangote ya zaki plus. Tango zo bise, eh, tu es bien habillé. Eh, lambo eza akala. Et vous me laissez déjà ba 5 ans. Eza kaya ke pona yibiko bate la. Eza sikate. Et oye mounene, et na kondi kouti na ki mounene makas. Na ki mounene, seki mikole leko mouna ingate. Eh, mikolo la mouni penza, eh, nozo change. Oh, oeze loko te. Ou nga la zaki na ou la fo passe zaki somo. Donc, c'est un homme. Ou une femme. Ou yo andi makati. Andi maka moutoute. Nyo soba zo lo ba neka keza ma be. Do andi maka kaka be fort na ye moko. Nous devons faire attention. La Bible nous dit il y avait deux genres d'hommes. Deux types d'hommes. Les pharisiens et les publicains. Voilà l'attitude y a pharisiens. Un homme orgueilleux, un homme plein d'arrogance. Un homme plein de jalousie. Un homme qui n'accepte pas. Bolamu ya mutu mususu. Et Bible ya kotali sabiso siko attitude. Il y a deuxième personne. Le publicain. Le cœur que Dieu cherche. La Bible dit, cet homme s'est approché devant le trône de la grâce avec un cœur plein d'humilité. Un cœur rempli d'humilité. Un cœur brisé. Abandiko est allé ba faiblesse ne liboson na nzambe. Alors, je suis un homme pécheur. Na kokite na ngai moko. C'est ce cœur-là Dieu est en train de chercher. Un homme, un cœur d'adorateur. Un cœur de vrai adorateur. C'est un cœur brisé. Un cœur qui accepte de perdre.
de perdre l'orgueil, de perdre l'arrogance, de perdre la jalousie, pour qu'ils puissent être remplacés par l'amour de l'Éternel. Pour que ces cœurs puissent être remplacés par l'humilité de Dieu. C'est ce genre de cœur que l'Éternel est en train de chercher. L'orgueil ne paye pas. Bible lobi, moto oyo na sima ko si sa prière na ye. Koko mananda ko zala ki lisusu lolenge mo kote. Quelque chose s'est passé dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a été sincère devant l'Éternel. Nous devons être sincères. Un cœur plein d'humilité, c'est un cœur sincère devant l'Éternel. Nous devons être sincères devant l'Éternel par notre façon d'agir, par nos attitudes, par notre façon de se comporter avec les autres. Par notre façon de demeurer dans la présence de Dieu. Ne viens pas même dans la présence de Dieu avec l'orgueil. Donc, même pas en zambozo, mais ma orgueil na yo, ça ne va pas aller. Ça ne tient pas avec l'Éternel. Ce genre de cœur et que mes mains n'ont pas été. Tu dois étaler tes faiblesses. Dis à l'Éternel, je suis incapable. Je suis faible. Voici mes faiblesses. Remplis-moi de ta force. Remplis-moi de tes capacités pour que je puisse avancer, pour que je puisse percer. Non, mais y'a pas mon laïo. Lela a toujours monté, moi, on n'est pas une ensemble. Cherche toujours ce genre de cœur. Nous devons toujours avancer dans la maison de l'Éternel avec ce genre de cœur. Vous savez, même dans l'église, il y a des choses qui se passent. Dieu t'a donné un don. Dieu t'a donné les talents. Dieu t'a doté de sa grâce. La grâce, c'est quelque chose oyo supérieur à ce qu'on accorde à l'inférieur. Dieu, c'est un Dieu suprême. C'est un Dieu supérieur. Quand il te dote de sa grâce, et ça, c'est pour ça que nous avons. Aujourd'hui, même dans les églises, nous avons appelé le don de la prophétie. Mais le lendemain, nous avons ça la prophétie. Aujourd'hui, les prophètes ont commis, ont mené des troubles, même dans les églises, même dans nos familles. La prophétie, et comment la prophétie, il y a menace, il y a grimace. Na moni boepo na yo, nzamba lobelinga boepo na yo. Mais pour le kwane longwa, et sengelo yon offrande boe. Pour le kwane kwaya, et sengeli otia offrande, yo moko sokati monta. Est-ce que nzamba tangwa sova ki yo, akatela ki yo monta, y a racha ya vie na yo? La Bible me dit, il n'y a que Jésus-Christ qui a le pouvoir du rachat. Mais aujourd'hui, les prophètes sont en train de tourmenter les vies des gens. Tu es prophète. Dieu t'a doté de cette capacité. C'est un don. C'est une grâce. Mais ce n'est pas à vendre. Ce n'est pas à faire. Il y a que ça, la moue échange. Na mbongo. Na ko sambe la te soki na moni mbongo te. Tu y as reçu ce don gratuit. Tu y as reçu cette grâce gratuitement. Donner cette grâce aussi gratuitement. Pourquoi zo ko impose kaka vo bon de la fo mbongo? Parce que yebike, makamozo sa leza lokuta. Makamozo sa leza solote. Ngai soki na sambeli pona yote. Ah, to luki ba prophète nyonso ya mondo. Lika moye kolonga te. Qui es-tu? Tu es qu'un instrument que l'Éternel a choisi pour
aux à la canal à utiliser yo, mais ne te donne pas beaucoup d'importance. Comme il peut ça d'importance, moi exagéré te. Ou banda ko grimacer ma vie à bateau, ko tourmenter ma vie à bateau, ou banda ko détruire ma vie à bateau. Dieu m'a dit, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, mais pour que cette chose s'accomplisse, je dois faire cela, je dois faire ceci. Je dois prier pour toi, mais pour la prier, pour la yo, et Seigneur, il somba où il, et puis, n'a qu'il n'a qu'on prier place boy, n'a simba place boy. Oh, nous sommes loi de l'éternel, nous sommes loi de l'éternel, ton songa dans les droits chemins. Rentre dans les droits chemins. Ce que Dieu t'a donné. Et ça pour Osala Moussala Naye. Et ça sujet de l'orgueilité. Et ça sujet de l'arrogance. Et ça sujet à Konyoko la bandimité. Aujourd'hui, tu comme un fanatique. Il y a un pasteur Nabiso. Il y a l'église Nabiso. Oh mon église. Et ça église moko puissante. Mon église, et c'est église à ma casse. Église Nangaï. J'aimerais te dire ceci. L'église, Oyo Tokendakawana, Ezakaka simple bâtiment. Oyo Tomonakabatongi, ba temple, Eza bâtiment. L'église est Zangana yo. L'église, c'est le cœur. L'église, c'est un cœur brisé, un cœur rempli d'humilité. Église, c'est ça, yo. Église, c'est ça, bâtimenté. Pasteur, mon côté, a sauvé âme ya moto. Église, c'est mon côté, a sauvé âme ya moto. Église, c'est mon côté, a pe sa yo fongo la ya lola. Mais quand il y a pesa yo fongo la lola, ils ali motema na yo, relation yo za na ngona nzambe, intimité yo za na ngona nzambe, yamunde ko pesa yo faveur et ko pesa yo nzela na royaume des cieux. Cessons avec ce genre d'histoire, cessons avec ce genre d'aventure. Ça nous amène à rien. Cherchons l'éternel pendant qu'il se trouve. Approchons-nous devant le trône de la grâce avec un cœur brisé. Église, est sauvée mon touté. Tu es prophète des nations. Je suis prophète des nations. Prie. Fais ton travail comme il faut. Et ça, si j'étais. Your gay. Vous savez, Mikole ou Tikoleka, ton qui t'a perdre. Grande sœur, Nabiso, akouta na prophète Moko, prophète wana ebike, maman ou yon zaboué, chaque fin du mois, azora quelque chose. Ou yon zou ta papa nana ye, ou yon zou na banda kou na ye. Si ko asa yebi eloko wana, eloko ni yakome ko sala. Ce qui kaka, fin du mois est commis. Aïe, abandi prophétie na porte. Oh, nazo mona, esprit de mort. Il y a mona kaka esprit de mort, a mona kaka poison. Il y a mona ka moutou te ke nzamba zo tombo la ye, ton zamba zo sale bolam, ton zamba, ye biloko mi bale wana ya mona ka. Et pour, yangwe longwa, tiam mongo boy. Et loko wana est tourmenté via moutou. Moutazo konda. Mouta ou tiko pike crise. A sali tansu élevé. Sikre komata. Docteur Atounye, qu'est-ce qui ne va pas? Alobi y a un prophète. Oh, tout ça, mais la ranae, ma yé la kangabe, yé la kinga vision. Moi na koufi, moi na zon si boy. Chaque fois, esprit de moi wana ezo demere, ezo oumela. Oh. Donc, à sa montou, à sa avancée na âge. Mais nous devons utiliser la sagesse. Nous devons faire attention. Moutaza déjà avancé na âge. Koyele basanga modèle oyo.
et pour y a sambele fo mongo e pour y a na mesa so que zata lobi azozela mukola kozwa mbonga benga e pour y a sambela. Non, cessons avec ce genre d'histoire. C'est le temps de préparer l'église parce que l'époux est en route. C'est le temps de préparer l'église vers l'enlèvement. Et ça tango ya ba distraction wanate. Si tu es prophète, tu es prophète pour l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas prophète pour te vendre. Tu n'es pas prophète pour la liboumouna yo. Osa prophète te pour yango elessa yo. Quand tu fais l'œuvre de Dieu avec amour et que batou bazou soit ma solution. Dieu va se souvenir de toi. Nzamba kokanisela yo d'une manière ou d'une autre. Cessons de forcer les choses. Toti ka ko forcer makambo o eza bongote pour ozwa lipa pour otondi sa libumu na yo, ce n'est pas normal ça. Nous devons cesser avec ça. Que Dieu nous fasse grâce. Nzambe a sala biso grâce. Écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes arrivés à la fin. La Bible dit ceci dans Psaume 51, verset 19. Que Dieu ne regrette pas d'un cœur rempli ou plein d'humilité. Ce genre de cœur, et ça m'a dit mon zamba zo sepe la lango, a regretta kanangote, tant que moto aye devant trône ya grâce, aye na sincérité. Aïe na vérité, c'est genre de cœur nzambazo luka la kat na biso. Nzamba regretta kalangote. Soyons des hommes effacés. Soyons des femmes effacées. Soyons des femmes humbles. Toza la basi oyo. Toza humble liboso na nzambe. Mibalo baza humble liboso na nzambe. Pour gagner l'amour, la confiance de Dieu, nous devons perdre certaines choses. Oye mema biso banti valeur, oye zo mema biso nakati na makambo ezanga tina. Pour que ton monde a gloire na nzambe. Écoutez, la Bible dit ceci, l'humilité précède la gloire. Orgueil zo mema mutu na shit. Ato mati okokuya parce que c'est la parole de Dieu. Tangoza na kata humilité. Nzamba zo mona titit na yo. E nzamba zo tombolo toujours likolo. Mais tango yo moko de jo zo mi tombola. Nzambe na tombolo te. Oko kita. Oko kita. Pona kosu ki sa tozo ki etan la Bible na biso. Na Philippiens 2. Verset 3. Écoutez ce que la Bible dit. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Vous savez qu'on est la supérieure. Mais devant si balterne na yo, vous avez la titi de moko, il y a humilité. Bible dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Na place on mona ka intérêt na yo, na sala boye pona zwa. Et loko il fallait ba lo bango nanga. Et loko boye fallait ba sala ngonanga. Mona pe ben intérêt ya bato mususu. Bible lo bi boye, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Quel genre de mort? La mort à la croix. Mort aux ala qui réservé na ba criminel, na ba meurtrier. Mort aux ala qui réservé na ba bandit.
Nzamba mi kitisa. Ye ou yazala ki nzambe. Parce que la Bible dit, il était 100% Dieu, 100% homme. Mais ye ou yazan nzambe. Ami kitisa ki, ti na niveau ya serviteur. Bible lobi, tout zala na sentiment au Christ azala ki nango. Atala ki statue na yete. Atala ki royauté. Atala ki ki bon zambe na yete. Mais il s'est humilié. Il s'est dépouillé. Il s'est dit non. Je dois descendre. Je dois porter le corps de l'homme pour sauver cet homme, pour sauver cette femme. C'est Jésus-Christ. Alata ki humilité oyote. Akuka ki ko yate. Na se na moi oyo. Mokilu est tonni na makambo amabe. Il a subi des choses. Il a été ridiculisé, minimisé, abandonné, rejeté. À cause de l'humilité, pour te sauver, pour me sauver moi. La Bible dit, c'est pour cela. Dieu l'a souverainement élevé. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Oh, devant le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Et toutes langues confessent qu'il est le Seigneur à la droite du Père. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié. Ou pour être élevé, tu dois t'humilier. Pour être élevé, tu dois t'effacer. Pour être élevé, tu dois te diminuer. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse ce soir. Pour la moté moya sikanzamba zope sayo. Dieu est en train de te doter d'un nouveau cœur. Moté maoyo, ya vrai adorateur. Bisiko zali. Banako bondela. Bibelobi na Proverbe 4, 23. Garde ton cœur. Puis. Batela moté manayo pi. Plus que toute autre chose. Parce que c'est la source de bonheur. C'est la source d'épanouissement. C'est la source de bénédiction. C'est la source d'élévation. Comment ça dure à l'éternel? Dieu à l'éternel, j'ai besoin d'un nouveau cœur. J'ai besoin d'un nouveau cœur. Seigneur, donne-moi un nouveau cœur. Un cœur plein d'humilité, un cœur brisé, un cœur capable de supporter les erreurs des autres. Un cœur capable de supporter les autres. Commence à dire à l'éternel, commence à demander à l'éternel, ce soir, à douter yon amote mayasika. Parce qu'avec ce genre de cœur, mais avec un cœur plein d'humilité, c'est alors que nzambako memayo plus haut, même tes ennemis, bako tsika la nasse. Un cœur qui n'aïe pas. Un cœur qui ne détruit pas. Un cœur qui ne fait pas de complot. C'est ce genre de cœur que nous avons besoin. Oh, prie là où tu es. Prie là où tu es. Que Dieu te donne un nouveau cœur. Oh, Jésus, nous avons besoin de ce nouveau cœur. Nous avons besoin de ce nouveau cœur pour accéder, pour entrer, pour percer Père éternel. Nous avons besoin de ce cœur. Remplis-nous de ce cœur. Cher Saint-Esprit, nous sommes faibles. Toye na ba faiblesse na yo devant, na biso devant trône ya grâce. Doute biso na ba capacité. Doute biso na humilité. Brise bizalel na biso. Brise ba comportement na biso. Brise lolenge na biso. Robobo sabaya koria maya gada chente. Robobo sabaya koria maya gada cheke. Que Dieu te dote de ce cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Nzamba pambola yo bisiko zali. Nzambe asala yo bulamu na poko alelo. Nzambe apesa yo motema wana ozana ngo besoin. Voilà pourquoi esengelo mesana na kotanga Bible parce que yango eza fondement. Soko yebi parole de Dieu te, bako manipule yo, bako sakana na yo, na sato sala boy, pou eloko epesa boy. Mais quand tu es dans la parole de Dieu,
Ce qui va y aller, le comme moi, y a pas ma pamba. Au quoi y a qu'on résister qu'on le bat. Non, ça ne vient pas de Dieu. Nzamba pe sa yo makas. A pe sa yo kimia na boutou alelo. Nzamba sala yo bolamu na boutou alelo. Boutou alelo e za la boutou ya kimia. On a la pongi moko paisible. E za la boutou ya visitation divine. O yo nzambe azo ako change motema. Nzambe azo ako renouvele makamu. Na kata vi na yo. Na kata libota na yo. Na kata couple na yo. Na kata santé na yo. Nzamba banda ko sala eloko ya sika ki mena nzamba ezala partage na yo au nom puissant de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer l'Éternel des armées, le roi des rois, le sauveur de l'humanité? C'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui n'a pas regardé son statut, c'est lui qui n'a pas regardé sa personnalité, c'est lui qui n'a pas regardé oh ya sali mais akita ki na se pona ko sauvanga na yo. Est-ce que au travers ma boko na biso tout près sans ambe wana merci na makambo azo sala na kati na ba vie na biso na kati na bomo na biso azo sala minene nzamba pambola yo. Voilà, et je suis l'évangéliste Titi Mona. Nous sommes là chaque vendredi à 20h30 l'ère de Kinshasa. Bino nyoso bolanda ki biso nzamba ya pambola bino. E bino nyoso pe boko ya kolanda biso na sima nzamba sala biso bol asala bino bolamu. Tokutani lisusu vendredi prochain na même heure sur Facebook Paris Lingwala TV. Paris Lingwala TV Bisika tokutani lisusu vendredi prochain et puis bolanda biso na YouTube Paris Lingwala TV kunande esika mate ezali e mikoleko ya tokokota direct na YouTube tozobongisa makambo tozoluka to meka ko améliorer technique na biso pour que nyoso ezala malamu. Nzamba pambola yo lala pungi malamu kimia nzambe ezala partage na yo au nom de Jésus.